Et retour en direct à l'Allianz Riviera de Nice. Avec Monsieur Brooks, l'arbitre de cette rencontre. Alors on peut trouver étonnant hein, qu'un Anglais arbitre ce qui est toujours un protectorat britannique. Il faudra peut-être miser ce soir Antoine Griezmann, qui est encore une fois bien sûr titulaire pour la 83e fois. Ah oui, il a toujours marqué ici en 4 matchs, mais le gros plan est sur un joueur qui a ce soir 15 ans de moins que lui. Le coup d'envoi donné par John Brooks. Kingsley Coman. C'est un peu profond, c'est un peu profond. Non, c'est bon. Et contre son camp, le premier arrive très vite dès la troisième minute contre son camp. Et l'infortuné est Ethan Santos, le défenseur central. Là, il va vite Jonathan Clauss. Le ballon en profondeur là de Kingsley Coman était bien dosé. Ouais, il y a l'appel là de Clauss, on le voit dans le dos de la défense, le petit extérieur. Et puis derrière. Et Kylian Mbappé, oh, il est dessus Antoine Griezmann. Encore dans la surface de réparation. Et la frappe. Encore contre son camp. Encore contre son camp malheureusement. Deux accélérations, moins de 5 minutes et déjà 2-0. Alors on va pas commencer à partir sur les statistiques, partir sur les records. Mais si on reste sur ces bases-là, le 10-0. D'Auxerre en 1995 a du souci à se faire. Oui, c'est contre son camp encore. C'est totalement contre son camp. Oui, parce que le pied devant. Le pied de Moëlli est devant. C'est le défenseur. Ouais. Oh, non, en fait. Est-ce que c'est toi? Oui, est-ce que c'est moi? Que c'est la pointe. J'ai l'impression que c'est la pointe. Alta qui n'a pas inscrit le moindre but. Kingsley Coman. Oh, bien joué. Thuram, oh, il est trop altruiste. Il est presque trop altruiste, Marcus Thuram, parce qu'il pouvait tranquillement essayer de s'extraire de tout ça. Bon ballon, ça. Oui, il y a de l'espace là pour Kingsley Coman. Allez, pour qui? Oh, là. Il s'est fait mal, mais il est buteur. Warren Zaïre Emery, il était là au départ. Oh, il s'est fait très très mal. Alors, sur l'affaire. J'espère pas. C'est juste un coup. Oui, il faut espérer ça parce que l'histoire serait tellement belle. 16e minute, les Bleus mènent 3-0. Et c'est un gamin de 17 ans, 8 mois et 10 jours qui devient le buteur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France, messieurs, dames. Et j'ai l'impression, parce qu'on est parti, et le carton rouge aussi pour Ethan Santos. Voilà, ils vont terminer, en tout cas continuer cette rencontre à 10, les joueurs de Gibraltar. On appuie sur Youssouf Fofana dans l'axe. Il a été chercher cette lucarne opposée. Kingsley Coman, elle s'est dérobée pour quelques centimètres. Oh, la superbe passe là. Le très bon appel aussi de Kingsley Coman. Il essaye de. Didier Deschamps n'aura jamais hésité à convoquer et à lancer de très très jeunes joueurs. Le centre de Rabiot, Coman qui remet ce ballon en tête de Griezmann. Il était tellement bien placé, il est tellement précis d'habitude dans ce genre de situation, Antoine Griezmann. Ah, ça aurait été un but magnifique là, avec la passe en retrait. Oh, quel bonheur. Tout à la volée là. La passe en retrait de Coman, le coup de tête d'Antoine Griezmann. Il a été altruiste là, Kingsley Coman, il aurait pu la tenter. Oh là. Oh, et... C'est passé. Le drapeau ne s'est pas levé pour l'instant. La parade de Colling face à Kylian Mbappé. Oui, il se lève finalement. Il était légèrement en position de hors-jeu. Enfin, pour moi, il y a pénalty. Oui. Parce que le... En se retournant sa position là et le geste un petit peu accentué au dernier moment aussi. Pour moi, il va siffler pénalty. Après. Visionnage d'accorder à la demi-heure de jeu la possibilité sans doute à Kylian Mbappé sans aucun droite. Ça peut être enfermant sur son côté gauche et ce sera sur son côté gauche. 4-0 pour les Bleus, 44e but pour Kylian Mbappé sous le maillot bleu. Et qui va-t-il aller embrasser évidemment l'autre nation? Oui, plus des erreurs importantes. Bon, allez, hop là, petit filet, pas de doublé. Petit filet pour Kylian Mbappé sur un centre encore de qualité qui mérite un pouce tendu pour Jonathan Clauss. Encore plus du public de Nice.
Jonathan Clauss. Frappe. Magnifique, magnifique. Le public, le premier but de Jonathan Clauss en bleu, messieurs dames. 5-0. Ouais, contrôle parfait, frappe sèche à ras de terre. Pied droit. Il est vraiment intéressant. Allez, le centre de Théo Hernandez. Hop, 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 hop. Ouais. Bon, là, ça devient... Kingsley Coman. Bah, il faut continuer parce que ça fait 6, Bichente, il faut continuer parce que le record est en train de se rapprocher. Plus que 4 pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire. 6 buts en 35 minutes, on est sur le très très bonne base évidemment. 6-0 grâce à Kingsley Coman. Là, ça devient dur pour Gibraltar. Et tout ça, regardez, ils sont tous regroupés dans la surface de réparation. Alors les frappes lointaines. Mais là, Youssouf Fofana. La fête continue. On est passé du score de tennis à autre chose. Oui, on va aller plus loin. Allez, continuons messieurs. 37e, 7-0, Youssouf Fofana. C'est une démonstration pour les... Il y aura peut-être une avant la pause. Le coup de sifflet de M. Brooks. Il en restera une pour Kylian Mbappé. Et la parade magnifique en jeu. En jeu de Colling. Et le départ à 1 mètre, à mon avis, de hors-jeu. Il y a un ballon qui gêne, un deuxième ballon. Là, on voit, il est largement hors-jeu. Ah, ils auraient pu le frapper plus directement parce que là ils ont gâché une dernière munition. On va arrêter la douloureuse pour Gibraltar à 7 à la mi-temps. 7-0 pour Adrien Rabiot et ses coéquipiers. Que Gibraltar est réduit à 10 depuis le cœur de la première période, devra faire 7 secondes période en infériorité numérique. Que Gibraltar est mené 7-0, que le record de l'île. Griezmann qui laisse filer. Super barré qui sert à quelque chose cette fois-ci, mais magnifique. Allez, ça va revenir peut-être avec Théo et corner. Ouais, parce que là, ça avait été super bien joué. Et Giroud vont faire la rentrée. C'est parti avec Antoine Griezmann. Colling qui est passé un petit peu au travers. Oh, deux fois, trois fois. Et la quatrième n'aura pas lieu. Adrien Rabiot. Un nouveau buteur. Ça fait 8. Ouais, l'image un peu de leur grande difficulté en défense. Des ballons. Place désormais de Rabiot dans l'effectif turinois et dans l'histoire de ce club. Kingsley Coman. Allez, le contrôle. Oui. Hop là, ouais. Double contact avec de la réussite. Encore de la réussite. Il est pour Coman. 8 plus 1. Deuxième but pour Coman. 8 plus 1, 9. Et j'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir les vannes à nouveau, Bichente. Le robinet était un petit peu fermé, il a tenté de refermer. Ça a démarré froidement cette deuxième période, ça revient un petit peu. Ousmane Dembélé. Allez, vas-y. Et 9 plus 1. 9 plus 1, 10, Ousmane Dembélé, 73e minute, le record de 1995, de septembre 95 à la Baie des Champs, le 10-0 contre l'Azerbaïdjan, est égalé grâce à cette... Marqué son premier but cette saison. Vous l'entendez, ça vient comme il essaie de se rattraper. Allez, le 11e. Le record est battu, messieurs, dames. Et il est battu grâce à cet intérieur du pied chirurgical avec de capitaine Kylian Mbappé. 42, 43, 44, 45e but avec lui. Le 299e de sa carrière en pro. 11-0. Le très bon appel de Théo Hernandez, c'est une classique. Hein, mais... Et peut en profiter Olivier Giroud, qui ne peut pas se retourner pour l'instant. À nouveau Mbappé, l'appui, la frappe de Giroud. Oh, 12. Ça fait 12. Et ça fait 55 pour Olivier Giroud. Et ça fait le bonheur, l'immense bonheur de l'Allianz Riviera, qui n'attendait que ça depuis l'entrée de l'attaquant de l'AC Milan. 12-0. Ah, ils vont peut-être le refuser. Ça a été... C'est checké. Non, il refuse. Action de hors-jeu, donc il est refusé, ce but d'Olivier Giroud. Allez, Oh oui. Magnifique. Le lob, le 300e. Oh, quelle magnifique façon de signer son 300e but chez les professionnels. Oh là là, le grand joueur. Oh, le grand joueur et le capitaine pour un triplé ce soir, Kylian Mbappé. Il ne pouvait pas marquer un but banal. Il ne pouvait pas marquer un but classique. Il fallait qu'il signe. Allez, Antoine. Allez, pour Giroud.
Giroud. Oh oui, oh, ça y est. Magnifique. Ça, c'est beau parce que Griezmann aurait pu la croquer, cette balle, tout seul. Et il a offert un cadeau d'anniversaire à Olivier Giroud. Là, voilà la joie. Et là, pas de drapeau qui se lève. Et a priori, pas d'intervention de l'assistance à l'arbitrage. Ouais, très altruiste Antoine Griezmann là, qui offre ce ballon de la poitrine à Olivier Giroud, qui a pris un petit coup au passage. Et là, ça fait bien 55. Il n'y a pas de hors-jeu. Il fait un bon appel. Il y a Mbappé, le décalage pour Théo Hernandez. Et la frappe repoussée par Collins. Ça va revenir. Oui, oh, Olivier Giroud, doublé, 14-0 à la 91e minute. 56e but en bleu. Alors bien sûr, hein, bien sûr, l'adversaire est très très faible ce soir, mais malgré tout, les Bleus nous font le spectacle. Ce but-là, il est très beau aussi, ce ciseau retourné d'Olivier. C'était avec Rio Mavuba, on sera là le 2 décembre en direct de Hambourg, on sera là mardi en direct d'Athènes, on était là ce soir en direct de Nice pour le nouveau record historique